Yo l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan là depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan là. Bien nous pas perdre temps, n'a commencé. Cool yeah. Tout journaliste yo qui présente toute presse là. Et premier bagage que m'a dit secteur démocratique là. Jean nous saute bat bravo à secteur démocratique là, nous bat bravo. Bureau sénateur Cassi, docteur Schiller, député Belizer, sénateur Beaublanc, sénateur Sorel, majorie Michel, Milien, tout militant yo. Mes amis, nous montrer capacité nous. Et moi-même, son seul mot pour me dire merci à secteur qui montre solidarité. Parce que c'est grâce à la solidarité qui fait que nous avons avancé. Nous remercions toute notre parti politique. Très bien. Qui eux-mêmes t'ont voté, qui ont fait conférence de presse. T'ont aidé. Quel était Lavalas, petite de Saline, quelle diffusion. Haïti en action, tout militant qui était sorti dans la province, qui était venu joindre à secteur démocratique. Tout nèg qui était là, militant, Gonaïve qui était campé jusqu'à 5 heures. Pour y avoir dit, Saint-Marc, Chandmas, Bel Air. N'a dit, tout militant, c'est grâce à la solidarité. Yo, et nous sommes toujours prêts dans nous. Le secteur démocratique là, nous sommes toujours prêts dans nous. Qui fait que aujourd'hui, eh bien, nous arrivons dans la situation côté que nous ne pouvons pas mettre la bouquette dans la bouche. Rapidement, Jean-Sénateur Yassé dit, je ne vais pas entrer dans le détail, puisque il y a un avocat qui est là qui pour parler de détail. Je ne vais pas entrer, c'est des salines, mais vive Haïti. Je ne vais pas entrer dans tout détail, l'avocat a parlé de vous. Mais hier, mais ça nous-mêmes nous dit ULCC et que vous concluez avec nous. Il y a 5 bagailles qui sortent et c'est ça que nous avons toujours dit avant. 1. Maman m'a pas prêté quoi dans l'ONA, je te dis. Il était qu'on va quête pour le faire, pas faire. 2. C'est Femme Léogane qui prêtait 70 millions de gouttes. 3. Nous remettons quoi nous chaque mois régulièrement. 4. Nous arrivons que nous avons une capacité de 50 000 œufs par jour. Je dis à nous une capacité de 150 000 par jour. 5. Nous arrivons côté nous dit. Là, nous avons commencé dans l'œufs. Boîte caisse, j'ai acheté 2500 gouttes. Et malgré le problème de la montée, nous toujours vendu 3000 gouttes. Ça veut dire que nous stabilisons le prix ça. Et deuxièmement, là nous finissons atteindre la capacité, nous, tout pensionné assuré l'ONA, il y a bien droit à rabais, puisque nous te dit depuis nous augmenter notre bayoul. C'est ça que nous dit, ça que déjà nous connaît et nous renouvelons. Et c'est peut-être ça, nous n'avons pas rien à reprocher nous. Mais comme secteur démocratique là, nous c'est en démocratie, nous te présenté. Les gars pile menace, oui, ils vont l'arrêter, ils vont le craser, ils vont le viser. Eh bien, je dis à comme on n'y a pas oublié. L'heure que ça t'est arrivé aux États-Unis, que tu as gagné justement un noir qui t'est mouru, qui t'est maltraité, là ça, peuple a réagi pour te dire non. C'est comme ça, peuple haïtien. Toujours réagir pour dire non à l'arbitraire. Il réagit, l'on réagit, il dit que c'est lui qui a la souveraineté à nous. N'a pas dit dans l'opposition, l'on nous a attaqué en ferme qui en Haïti, qui a produit, fait production nationale, opposition lui-même, programme l'autre les provisions, l'on au pouvoir, c'est même sans ferme qui a gagné. Oui. Ferme avec Dieu à vous. Il y en a dans chaque département. Abgé ferme pour faire fruits. Abgé ferme pour gagner légumes. Abgé ferme pour faire élevage. Abgé ferme pour produire ni du riz ni maïs. Et là, ça a ça qu'a privé. Là, ça a ça qu'a privé. Balance commerciale, non, il n'y a pas de déficitaire. Et goud là, la pour prendre place, li, à 45 goud. Je dis, mais pour nous faire ça, il faut gagner qui est caractère. Comment vous voulez que nous vont ferme pour député du Bradim que Dominique Héro écrit un article pour dire sénateur la tortue, son danger pour l'agriculture dominicaine. Oh, 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 oh.
Alors que Dominicain, l'olvo et ce ici, c'est ce qui pas vendre dans ma quête. Qui a 20 jours que le voyez vendre. Donc je dis à nous comprendre que dans la situation, il faut que nous arrivions au côté, que nous prenons responsabilité. Nous. Et c'est peut-être ça que moi dis. Opposition a pris responsabilité. Responsabilité pour nous changer le pays. Mais avant que nous arrivions dans la gouvernance que l'opposition préparée, il faut nous arriver dans la mobilisation. Une mobilisation doit être pacifique. Parce que nous pas non violence, mais son mobilisation pacifique qui pour faire respecter le droit peuple. Et c'est dans la mobilisation ça. Dans la mobilisation ça, que je pense que nous allons avancer. Parce que je nous dis, nous n'avons pas peur, nous n'avons jamais peur. Et c'est dans ce sens là que nous allons passer la parole avec Maître André Michel pour qu'il continue avec parole mobilisation. Merci beaucoup. Thank you.
Et le Sahara, il y a des gens qui sont victimes. Nous devons mobiliser, mais c'est pacifiquement. Parce que je dis, nous sommes arrivés là, c'est que je présente, je explique ce qui se passe. Et moi-même, je reste ferme pour que je continue à faire dossier et informer la population. Demain, si Dieu veut, je vais faire une conférence de presse pour expliquer tout le bagaille. Allô, quelle opposition? Je dis, je ne vais pas parler avec tout le monde. Même si je voulais dire nous, merci en pile. Je voulais dire nous, nous connaissons que toujours gagner dans le local opposition pour nous rencontrer militants à midi. Et m'a dit non, c'est seul mon gars dit nous aujourd'hui parce que journée était longue. Merci en pile dans nos secteurs opposition, secteur démocratique, organisation populaire. Non non, petite salie. Vive Haïti. Haïti Opération Xavier et Chaudière. Next Fun Massio. La Valence. Merci en pile. Maman, nous rentrer tranquillement demain dans la locale opposition. Merci. C'est merci en pile. Merci en pile. Et la première femme pour continuer le dossier. Je vais vous donner un peu de temps.
Kadoa Jounen Jodian avec l'ensemble des membres présents et bien entendu de l'autre collègue qui fait partie de collectif lan qui capable arriver en coup de route nous entendre prononcer nous sous un ensemble de dossiers d'actualité des dossiers d'intérêt général et comme de fait collectif ancien député opposition yo avec allié yo nous c'est le monde qui engagé non bataille pour on l'autre forme de gouvernance pour on l'autre Haïti nous engager bien entendu pour que nous aider à ce que les fondamentaux que ensemble de secteurs qui réclamaient de l'opposition à défendre et c'est dans même ligne là que nous y est tout journée aujourd'hui parmi points qui intéressaient nous dans Kadoa et qui a intéressé tout pays nous gagnons d'abord un dossier sous un gaz de mauvaise qualité. Nous voulons alerter pays en général, population et tout secteur que ça intéressé. Dans niveau Kadoa, nous disposer depuis environ une semaine des informations de sources concordantes, de sources que nous capables de faire confiance, de monde qui dans le secteur gaz là même dans le pays d'Haïti et le monde qui appréhendait le secteur ça. Information ça yo, nous joignent dans le niveau Kadoa, fait qu'on est que l'autorité qu'il a pour importer gaz dans le pays, dernier cargaison gaz qui arrivait dans le pays, c'est de gaz qui de très mauvaise qualité. Et gaz ça yo qui de très mauvaise qualité, vous n'êtes pas sans savoir, a gagné de conséquences négatives, de conséquences économiques sous pays, mais surtout sous machine yo. Gaz de mauvaise qualité ça yo, capable entraîner que en pile machine rive écrasé et comme de fait depuis environ 11 semaines nan niveau Kadoa nous joindre information ça yo avant même nous te rencontrer la presse journée jodi an nous autres au bord de table conférence là nous te fait des interventions à travers des médias respectifs et nous rendons nous compte à partir de intervention antérieure que Kadoa a fait sous gaz mauvaise qualité ça qui sous marché haïtien hein, nous recevoir des centaines d'appels de chauffeurs parfois de transport public mais de chauffeurs qui gagnent un véhicule privé et qui témoignaient effectivement que yo prend un gaz de mauvaise qualité et qui la cause machine yo gagne un problème et pour certains moteur yo crasé. Donc, nan niveau Kadoa qui là pour défendre l'intérêt général et qui a joué un rôle de vigie
dans l'intérêt du peuple haïtien, nous a dénoncé le fait que pays en déjà non situation politique, économique, sociale extrêmement explosive, et que voilà que pays en consommateurs, usagers, propriétaires de véhicules, yo retrouvé malheureusement à être victime de gaz de mauvaise qualité. Comme nous autres, au niveau de Kadoa, nous c'est un collectif qui, bien entendu, a mené un combat politique, mais nous pas en train de nous verser nous dans la politique politicienne. Et c'est pourquoi nous fait appel avec autorité qui est responsable. Nous disons au niveau Kadoa, si encore il y a un minimum de transparence, faut que yo prouve de façon transparente à travers de experts et à travers de visites guidées dans différents terminales côté yo fait gaz yo rivé pour permettre que gagner de vérification pour éviter que chauffeur yo que paysan pas continue victime de gaz de mauvaise qualité. Et gaz de mauvaise qualité, ça, que machine yo a utilisé, l'a continué à aggraver situation sociale, situation économique, là, puisque comme vous le savez, Haïti pas fabriqué pièce machine. À chaque fois, on machine gain problème à cause gaz mauvaise qualité, eh ben, c'est importer, n'a importé pièce ça, yo, et nous tout connaît comment Goodland dévalué par rapport à dollar américain. Donc, voilà, un objet dans conférence de presse Kadoa journée jeudi hein, c'est dénoncer gaz mauvaise qualité qui sous marché haïtien hein, et nous exigeons des autorités pour faire preuve de transparence, et nous appelons également au syndicat de chauffeurs pour que yo pas fait preuve de mutisme, faut qu'yo capable défendre chauffeur yo, qu'il s'agisse des chauffeurs de transport public ou chauffeur qui gagne machine privée. Nous fait appel tout avec organisation droit moun qui déjà engagé dans la défense de intérêt peuple haïtien pour que yo même tout yo approprié yo de dossier ça, et nous fait appel tout avec les associations de consommateurs si gagnent qui existait pour que yo volé au secours de peuple haïtien, puisque dans l'état actuel du pays nous pas capable accepter que on pouvoir le fait du népotisme, du clientélisme, le fait de trafic d'influence qui caractérise pouvoir ça, pour que yo attribuer n'importe comment de contrat avec de firmes, avec de compagnies qui pas gain certification, qui pas gain expertise cap importer de gaz mauvaise qualité sous marché haïtien. Et concernant ce dossier, au niveau de Kadoa, en attendant que de collègues, tant que Vickerson Gagné, collègue Millière Hommage prend la parole, nous disons au niveau Kadoa, nous gagnons le privilège que nous gagnons des juristes qui mettent à disposition, qui prêt pour mettre à disposition des victimes, des éventuelles victimes de propriétaire de véhicule qui t'a gagné machine écrasée à cause gaz mauvaise qualité, eh ben de façon volontaire pour que gagne de plaintes qui constituées et déposées contre l'État haïtien. C'est en ce sens que j'ai l'honneur élection ou transition nan niveau Kadoa, Jean collègue Milien soit rappelé, élection pas possible. C'est pas parce que nan niveau Kadoa et d'autres acteurs de l'opposition pas vle à l'élection. Au contraire, Arebo salle conférence ça là, que ce soit collègue Manès, collègue Vickerson et collègue Millière Hommage et votre serviteur Abel Descollines, nous toujours gain habitude à l'élection et remporter l'élection. D'ailleurs, certains d'entre nous-mêmes, c'est des victimes de mauvaises élections. Donc, nous sommes pour les élections dans un état démocratique, dans un état de droit. Mais nous dit élection pas possible
avec le régime du président Jovenel Moïse, parce que M. Jovenel Moïse n'a pas créé conditions pour que gagne élection dans le pays. Nous dit, nous pas prendre l'élection avec le président et le régime Jovenel Moïse, parce que président Jovenel Moïse, de 2017 à 2020, il était créé toutes conditions pour que c'est dans situation ça que le pays arrivé. Président Jovenel pas de voulait faire élection en 2018. C'est pas l'opposition qui t'a fait élection parfaite en 2018. C'est parce que président Jovenel t'a fait compromission avec ses sénateurs qui étaient proches pouvoir là dans le Sénat République là. C'est pas l'opposition qui fait élection parfaite en 2020. C'est pas l'opposition qui fait pas un conseil électoral permanent. Au contraire, c'est une bataille de l'intérieur entre même pouvoir ça côté yo chaque te besoin d'un mounio qui fait pas un conseil électoral permanent. Donc ceci dit, c'est pas l'opposition qui pas voulait élection dans le pays hein. C'est président Jovenel Moïse et son régime qui créaient les conditions pour que son transition indispensablement qui gagnait dans le pays d'Haïti. Puisque pas de conseil électoral, pas de sécurité, et que gagne yo gen ramification avec le régime du président Jovenel Moïse, donc li mathématiquement impossible pour gagner élection. Et quand on sait que élection c'est l'affaire des partis politiques, élection c'est l'affaire de la population, vous autres journalistes, moi je crois que nous au contact au quotidien de citoyens, que ce soit dans les localités, dans les bidonvilles, dans les communes, dans les départements, eh bien, si gagner yon bagay qui pas intéressé 99% haïtiens dans le moment n'a pas là, c'est l'organisation des élections parce que conditions pas réunies. Donc, il faut une transition de rupture en l'autre forme de gouvernance. Et c'est pourquoi, m'a fini pour collègue Manès terminé, nous autres, au niveau de Kadowa, combat pas nous, nous pas boumé pour que gagne une alternance seulement en remplacement de Jovenel Moïse, non. N'a boumé pour que gagne une vraie alternative à régime PHTK, une vraie alternative à Jovenel Moïse. Et c'est ça que fait, nous offrir tête nous comme un trait d'union dans le niveau Kadowa, un trait d'union entre les différentes entités de l'opposition, nous disposer et disponible pour nous parler avec tout le monde selon importance, puisque nous croyons ce qui est fondamental, c'est une alternative crédible pour une transition de rupture pour bail Haïti naissance dans l'autre forme de gouvernance. Donc, collègues. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour le capable joindre nous. Son babé zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.